Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Sims médiéval. On va tout de suite retourner. Oh, que c'est beau en mode vie. Ah oui, on était avec Aegon. Aegon Stark, si je ne m'abuse. Et j'avais un petit bug avec rechercher dans la bibliothèque des livres mentionnant la fontaine, la fameuse fontaine. La fameuse fontaine. Ah oui, il vient juste de se coucher, effectivement. On va passer un peu le temps, histoire qu'il se requinque un peu. On va le réveiller avant qu'il soit blindé d'énergie, sinon on va jamais y arriver. Pour avancer dans la mission de la fontaine de Jouvence. Bon, on va s'arrêter là. Tu peux te lever. Ça, c'est pas encore rassis, apparemment. Ragoût de fruits de mer, bah oui. Vas-y, lève-toi et marche. Joli bonhomme. Alors, par contre... Oh, il est affreux. Non, mais en fait, moi, quand je le vois, il est un peu bronzé. Mais je sais qu'à l'écran, sur YouTube, il paraît beaucoup plus black. Mais il n'est pas black du tout, hein. Je sais pas. Moi, je le vois quand même un peu bronzé, mais pas noir, quoi. Et j'ai remarqué que sur YouTube, on a l'impression qu'il était encore plus noir qu'il devait... Donc non, j'aurais peut-être dû laisser la peau blanche. Bon, après, j'ai aucun problème avec la peau noire. Hein. Mais sachant que je voulais faire comme un peu comme Jon Snow. Vraiment, effectivement, j'avais pas... Ok, bah, je vais faire ça, moi. Oui, donc en fait, j'aurais pas... Je voulais juste faire un peu comme Jon. Et Jon n'est pas du tout black. Voilà, c'était juste histoire de... Oh, putain. T'as parlé déjà ? Qu'est-ce que tu dois faire, là? Discuter des affaires d'étrangers avec un chef de territoire? Mais non, t'as pas été. Allez. Voilà. Ça, c'est fait. Après, garder l'entrée de la forêt. Je cherchais à... Oh, salut, Shirley. Shirley Rhys, romantique. Complimenter sa beauté. On va complimenter la beauté de Shirley Rhys. Ah, la coquine. Oh, oh. Il se kiffe, hein. Imza, bon, on va pas non plus que draguer notre Shirley Rhys. Ça, c'est la connasse qui nous a acheté des trucs la dernière fois. Il faut qu'on aille garder l'entrée de la forêt. Et je cherchais une putain de bibliothèque que nous n'avions pas. Du moins, j'ai pas compris. Là où on y en avait. Enfin, chez nous, il y a une bibliothèque, mais... Là, il y en a pas, hein. Il y a pas d'autre étage. Oui, discute. C'est une amie. Ah ah! Elle te trouve enjôleur. Bah ça. Ça, je veux bien te croire. On va peut-être donc aller... Est-ce qu'on retournerait pas ici? Regardez à l'intérieur. Parcourir la bibliothèque. Tu vas refaire ça parce que... Ah, oui! La famille Féobdal, anatomie d'un chien chila, l'immersion spirituelle, comment se noyer dans le culte pétérien, réformer mon passé, mon présent, mon avenir, paix, amour, bonheur, l'équation possible. En même temps, je bloque à chaque fois là-dessus. Ah, des sous. Ah non, du sel. Élixir de charme. Ah. Je sais pas, tu vas... Ah, ça prend tout. Et je les ai dans mon truc. La famille féodale. Tu vas lire. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire. Hein. Allez, lis. Tu vas lire. T'es qui toi?
Ah, c'est mon escuyer. Mon écuyer. Escuyer. Parce qu'il est marqué Squire. Tu vas lire. Je suis pas sûre, hein, il n'y a pas l'air d'avoir paix amour. Bon, bah, c'est de la merde. Somnolence. Bah oui, parce que il va. Est-ce qu'il peut prendre encore. Il peut manger un coup. Et tu vas aller. On va aller au bois, mon petit. Aegon. Aegon. C'est où? C'est la forêt, c'est là-bas. Hein. Ben alors, je sais plus me déplacer. Voilà, c'est ça. Ah mais ouais, mais on dirait qu'on a des remparts maintenant. Il faut qu'il fasse garder l'entrée de la forêt. Allez. T'en restant 2 heures. Voilà. Aegon se promenait sur un chemin forestier inconnu lorsqu'il tomba sur une source effervescente. Ah! Sentant légèrement le soufre, mamma mia. Des contes fantaisistes pour enfants à propos des sources secrètes curatives se mirent à danser dans sa tête. Boire une gorgée. Les contes disaient vrai. Ce devait être l'une des mystérieuses sources curatives qui apparaissent de temps à autre. Sir Aegon allait y boire pour tester les effets et emporter le plus d'eau possible avec lui. Ne pas y toucher, il ne fallait jamais boire l'eau de la forêt de manière insouciante. Elle était légèrement saoulée par excréments ou pire encore par des cadavres d'animaux. Cela pouvait même être une zone de reproduction pour la toxique mousse de sang. On va pas trop on va pas trop risquer, je trouve, hein, bon quand même. Sir Aegon poursuivit son chemin, regardant une dernière fois par-dessus son épaule, en se demandant s'il s'agissait de la bonne décision. Ne jamais sortir du chemin, ne jamais sortir du chemin, se rappelait-il en laissant derrière, derrière la mystérieuse source. J'ai pourvu qu'il meure, quoi, hein. Tout simplement. Oh, les étoiles dans le ciel, c'est trop beau. Qu'est-ce qu'il a? Fatigue. Oui. Légèrement encore né. Mais alors, il reste 2 heures, bah oui, mais il l'a fait. Ça y est. C'est quoi ça? C'est qui? Émeric le pillard. Et Gélase le voleur à la tire. Bah, c'est super, dis donc. On va les laisser comme ça, tranquille ou bilou. On va rentrer à la maison. Pour l'histoire de la bibliothèque, vraiment, parcourir la bibliothèque. On va remettre tous les livres, parce que de toute façon, ça sert à rien. Tu vas peut-être pas boire la potion. Hein. Tac, tac, tac. Bon, on a remis les bouquins. C'était pas dans notre truc à nous qu'il fallait. Qu'il fallait regarder, je pense, donc je sais pas. On ira au village et on verra ce que ça donne, quoi. Bon, il est 6 h du mat, mais il va quand même se lever et faire à bouffer. Parce que, quand même, on a toujours plein de choses à faire. La journée d'un chevalier n'est pas de tout repos. Il va nous faire quoi? Une bonne soupe de truite dès le matin. Miam, 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 c'est ragoûteux. Et puis tu nettoieras ça. Toi, t'as pas de bonne qu'il fait, donc tu es obligé de te le faire toi-même. Nous sommes d'accord. D'accord. Tu t'en es fait que pour une. D'accord. Sculpté. Ok, on va manger. Ah, t'es OP! C'est parfait. On va aller du coup au village. Au village. Au marché. C'est trop mignon les petites maisons et tout. Oh, c'est chou. On va aller là-bas. Allez au magasin du village. Tout 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 tout. Aegon le fou. Tout 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 tout. Oh, pourquoi c'est ouvert? Ah. Alors, est-ce que oui. Marteau en crudium. Un forgeron débutant. Oui, bah, ce sera pour plus tard le forgeron. Une épée, machin. Là, c'est des armures.
objet. C'est peut-être là-dedans. Je sais pas, hein, honnêtement. Graines, phosphore, bouteille. Baume de soins moyen. Pour soigner les blessures. C'est pas mal, ça. Je vais le prendre. Carte pour aller à mon tef. Ah, sur une carte nautique. Ok. Ah, d'amantine, azurite. Baleinière de baleinier. Baume de soins légers. Les meilleures recettes de bière festive. Harpon à baleine. Putain, il y a ces conneries. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Bâton du maître des arbres. Ah, pour les druides. C'est intéressant, ça. Orge. Eh ben... Baleinière de baleinier, miel. J'ai qu'un bouquin, moi. Je suis pas sûre que ce soit pour moi. Hein. Y a rien. Hein. Y a rien du tout. Est-ce que tu peux vendre des choses? Languille, turbo. Oh, tu peux vendre l'espadon. Allez, tu vas vendre l'espadon et le turbo. Vendre les objets. Mais du coup, on a... Il n'y a pas de bouquin. Je sais pas où il est, ce putain de livre, alors, du coup. Non, non, mais faut pas déconner. Faut pas déconner, quoi. Il nous demande de parcourir les bibliothèques, il n'y a rien. Il faut pas que je place une bibliothèque, par exemple. Je sais pas. Je sais pas, je connais... Oh, c'est mignon, les petites maisons comme ça. Oh, et en dehors de la map, ça donne quoi? Est-ce que ça marche, le mode table? Non, ça marche pas. Quel dommage. C'est mignon, mignon. Je sais pas. Je sais pas. Des recherches, je sais pas, ouais. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? S'entraîner sur le mannequin d'entraînement pendant 2 heures. Entraîner un sim pendant 2 heures. Ok. Ok. Tu vas t'entraîner, mannequin. Mais c'est nul. C'est nul parce que si j'ai pas de... Oh, c'est chou. C'est super chou. Mais oui, parce que si j'ai pas de machin là, comment ça s'appelle, de bibliothèque. Oh, j'avais pas vu. Oh, on se croirait à Bravos, mais Bravos... Bravos s'est écroulé, quoi. Avec ça... Ah ouais. Ah vache! La gloire d'antan, c'est plus possible quoi. Enfin, c'est... Il y avait des remparts, des machins, et puis ça s'est un peu tout écroulé quoi. Et si on allait au royaume, enfin à la salle du trône? Regardez l'intérieur. Mais moi j'y suis déjà allée et il n'y a pas de bibliothèque. Hein. Ça fait 15 fois que je regarde. Ah, il y en a une là! Putain, mais c'est. Mais non! Ah là, franchement! Les Sims! Mais. Il n'y a qu'un putain de bouquin de merde. Mais c'est une blague! Il y a une bibliothèque, mais il y a un seul livre qu'on a déjà en plus. C'est n'importe quoi. C'est pas évident leur truc, hein. Je trouve leur quête, c'est pas. C'est pas facile, facile. Ici, il y a des trucs aussi, non? Des trucs qu'on nous aurait cachés. Ah, j'allais dire, je peux pas. Coucou, Charleris. La belle. Ouais, bon, elle a un peu une sale tête, mais bon, faire des Sims, aller dans des Sims 3, c'est un peu compliqué. J'y arrive pas, moi. La preuve, sinon, il serait beaucoup plus beau que ça. Il serait beaucoup plus beau. Je sais pas. Je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas. On va faire le mannequin d'entraînement. Je pense que ce sera pas mal. Mais on n'en a pas. Donc on va l'acheter. Attendez. Meuble. Trait par fonction. Non, par catégorie. Magique. Ah! Militaire, noble.
Militaire? Oh! Mannequin d'entraînement. On peut le mettre dehors? Bah non. Ce serait trop beau si on pouvait le mettre dehors. Un petit mannequin d'entraînement. Table de scribe. Noble. Est-ce que vous avez des bibliothèques? C'est pas un coffre, ça, c'est une bibliothèque. Magique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Rustique. Une baignoire. C'est vrai qu'ils se sont pas balavés beaucoup depuis que je les ai, mais... Je croyais que c'était un truc pour un pot. C'est que ces trucs cache pour animal. Outil ferme dernier cri. Ok, ok. Éclairage. Motif de mur, motif de sol, rangement, confort. Décor. Des tapis. Un rideau. Ouh. Ah bah nous on n'a pas de fenêtre, on va pas mettre des rideaux. Oh mon dieu! C'est les mêmes que dans les Sims 4. Il y a juste le motif qui change, mais la forme c'est la même chose quoi. Faut se renouveler les Sims, hein. Faut faire des trucs qui sont beaucoup plus modernes hein, au niveau des rideaux là. Oui. Bon, moi, il n'y a pas, hein. Oh là là. Dalle usée. Ouais, c'est pas Jojo, hein. Non, je sais pas. Je suis... C'est quand même... Cela, ce truc en paille là, ou je sais pas quoi. On va peut-être changer. Après, ça reste assez froid, mais bon. Là, c'est trop jaune. Ça, c'est un peu trop violet. Ça, c'est vachement moderne, ça, dis donc. Ah, ça, j'aime bien. Allez. 66 choses. Bon. Inventaire de famille. Mais je sais pas. Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est une amie, c'est une connaissance. Absalente, la bourrelle. C'est une femme, ça? La vache. Oui, alors, oui, tu vas faire t'entraîner. Ouh, tu as mis ton petit costume. Félicitations, Aegon atteint le niveau 3 de la profession chevalier. Consultez l'onglet Simologie pour découvrir les nouveaux avantages liés à votre profession. Les chevaliers sont des machines de guerre incarnées, redoutables dans toutes les disciplines martiales. Soumis à un code de l'honneur très strict, ils sont également en charge de la sécurité du royaume et de l'entraînement de ses soldats. L'avantage du niveau 3, technique de combat spéciale, attaque tournoyante débloquée, efficacité au combat légèrement accrue. Légèrement, hein. Faut pas non plus... Vas-y, hein. Ah, Anaclette! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Anaclette, il vient consoler... Comment on fait? Chevalier, menacé pour l'argent. Entraîner un sim pendant 2 heures. Ah, entraîner quelqu'un. Il n'y a personne à entraîner. Bah écoute, tu vas continuer à t'entraîner alors. Voilà, ça c'est fait. Ton écuyer là, il veut pas venir s'entraîner? Je me pauvre, il est. Est-ce que... Non. Ah non, c'est là. C'est qui ce gamin? Bernard le page.
Vincent le poissonnier. Un athlète, il veut pas venir s'entraîner? Activer le marqueur du cime. Mais comment on fait pour... J'en ai marre, moi, cette putain de... Hein? Ouais, il a un peu faim, mais... ça passe. Non, non, c'est bon, arrête. Arrête, Aegon. Viens, tu vas utiliser... ton pot. Oh, oh, oh. Allez, utilise ton pot. Peut pas. Ah! Du prône! Ah! Pas grand chose, de toute façon, c'est les Sims, hein. Changer de tenue. Non, bah non, bah. Ça me stresse cette histoire de bibliothèque. Oh, je m'en fiche, je vais aller voir sur internet parce que là, ça me pète les noix. Je sais pas comment. Bon, internet me dit qu'il faut que je fasse parcourir. Dans la bibliothèque. Oh putain. Quel temps perdu pour rien. Non mais vraiment. En fait c'était juste qu'il y avait un petit machin là rouge. J'ai tout fait hein. Mais, oh, c'est franchement cette prise de tête quoi. Je sais pas où c'est la traduction qui va pas mais. Donc ça ok. C'est une sorte de populaire. Voilà. Et maintenant que je vais au magasin ça sera bon. C'est pas... possible d'être aussi comment dire, je voulais dire vaste. Disons que c'est pas du tout compréhensible, il n'y a vraiment pas assez d'indices de trucs compréhensibles quoi. Enfin je me répète mais voilà. Putain, il est là. Je vous jure. Ah non mais moi ça m'épuise. Vous savez pas à quel point ça m'épuise de voir du truc, quoi. T'es où, Aegon? Ah bah il revient que maintenant. Ok, bah tu vas lire ton bouquin. Alors, la fable, quoique divertie, ne fournit pas beaucoup de détails sur la manière de localiser la fontaine. Une grande partie de l'histoire semblait manquante et le reste semblait écrit par plusieurs personnes différentes. Ah! Comment obtiendra Sir Aegon la liberté de Aleron? Oui. Qu'est-ce qu'il a? Isolement. Oh, pauvre chou. Tu veux Arwiz, la petite vaurienne. Donc je dois faire quoi? Payer d'amende de 200 simplouses pour les besoins. D'accord. Bon, ils vont nous mettre un petit marqueur pour qu'on sache où aller. Oui. Non mais... Voilà. Hein? Non, on sait pas. On sait pas. On sait pas, on sait pas, on sait pas. C'était Aleron, c'est ça? Aleron. La bourrelle. La crieuse de la ville. Mais c'est pas ici qu'il faut... Ou alors c'est il faut payer à quelqu'un, au bourreau ou je sais pas qui là. Bah il en peut plus le moine. Il a une super coupe de cheveux en plus. Et lui c'est qui? Toi tu es qui? Le gardien de cochon. Tu veux pas que je t'entraîne? S'entraîner au combat. C'était pas ça qu'il fallait faire? Entraîner un sim pendant 2 heures.
Non, pour le mannequin d'entraînement, en fait. Ok. Fatigue musculaire. Oh, petit beau chou, là. Oh là là, petit choupinet. Bon, on va de nouveau aller à la salle du trône, du coup. Qui est là-bas. Regardez l'intérieur. Tu vas venir ici. Faut bien payer à quelqu'un, c'est pas un athlète. Bon. On n'a pas d'indice. Le fermier. Je sais pas moi. Charleris, elle est pas là. À qui je dois payer? Bon sang de bonsoir. Oh, ça m'agace. Soit ils nous mettent des flèches partout, enfin voilà, on sait tout ce qu'il faut faire, sans chercher par nous-mêmes, soit ils mettent rien du tout et vas-y. Discuter des arts artistiques, se renseigner sur la santé. Discuter de la réservation du royaume. Un athlète, tu sais pas qui je dois payer? Comment? Ils font des câlins? C'est une blague? Il a faim. Il a faim, Aegon. Aegon, Aegon. Est-ce qu'il y a des trucs à bouffer là-haut? Non. Il n'y a rien à bouffer. Tu peux faire à manger. Donc tu vas faire à manger. Une soupe de tanche. Ça au moins c'est fait. Voilà. Mais non, mais c'est chiant, quoi. On sait pas où aller, ce qu'il faut faire, machin, les trucs mûches et tout. Mais oui, je sais qu'il est par là. Est-ce que c'est à Charleris qu'il faut que je donne l'argent? Je sais pas. On sait pas. Oui, c'est joli. C'est joli. On sait pas. La prêteuse. Et puis je vais pas du tout entraîner qui que ce soit, donc c'est cool. Tu vas rentrer à la baraque. Entraîner quelqu'un. Mais oui, mais y a personne. Moi, je sais pas comment on fait entraîner quelqu'un. Il va encore avoir manqué à ses obligations. Ça va encore être. C'est chiant en fait, hein, le truc des obligations. Enfin, t'as 40 000 choses à faire. T'as pas assez de temps pour tout faire, mais bon. Ils sont sous son écuyer là. Je sais pas, tu peux pas lui demander de venir? Je sais pas. Confier ses inquiétudes est très très confortante, chevalier. Bah non. Charleris, bah oui, on va. Va voir Charleris. Ah, elle était là. Dire au revoir, amical. Comment ça va? Oula. Regarde le combat à l'épée. Ok. Tu veux pas que je t'entraîne? T'es qui toi? Maîtresse de la forge de Fabrimont. Mais je sais même pas comment on fait pour entraîner quelqu'un. C'est débile. C'est complètement débile. Entraîner un sim pendant 2 heures. Bah ouais, je veux bien, mais. Je sais pas, mais c'est débile. Faire connaissance.
Ok, ben non, mais que voulez-vous que je vous dise, chevalière, il n'y a pas. Voilà, de toute façon, c'est fini pour le truc là. Bon, t'es où? Il est mort de fatigue, le petit là. Moi, quelle tête. Allez, rentre à la maison, t'as raison. Tu peux te changer, parce qu'en plus, j'aime pas. Profession. J'aime pas ta tenue et tu vas aller dormir. Et moi, pendant ce temps-là, je vais aller regarder ce qu'il fait, ce qu'il faut faire, encore une fois, parce que c'est chiant. En fait, j'aime bien le jeu, mais là, vraiment, qu'on a... Soit c'est carrément guidé, on peut... Voilà, on a aucun... aucun délire à faire dessus, tout. Voilà, on fait juste ce qu'il nous demande de faire. Soit on a vraiment zéro indice, et c'est le bordel, et tu comprends même pas ce que tu dois faire. Donc c'est un peu chiant, en fait. Donc je reviens après. Internet est décidément formidable. Alors, vous pouvez me dire que je triche, ce que je pourrais comprendre, mais... Honnêtement, ça pourrait durer des années hein, que j'essaie de comprendre ce qu'il faut faire. Et comme ce n'est pas une partie perso, enfin peu perso, mais aussi pour vous, je préfère ne pas galérer pendant 10 ans, en fait. Donc c'est pour ça. On va faire un petit peu de gruau ce matin. Voilà. Et j'ai trouvé... Oh. Qu'est-ce qu'il a ? Responsabilité négligée. Oh, c'est bon ! À bout de nerfs. Oh là là, point faible, manque d'assurance. Repas insipide. Oh, tu me fais chier. Aiguiser l'épée. Mon épée doit être prête en permanence. Je dois passer du temps à l'aiguiser aujourd'hui. L'aiguiser. Chasser dans la forêt. Donc, j'ai essayé ce qu'il faut faire. Apparemment, il suffit juste de payer la rançon sur la boîte postale. C'est génial, hein? Invité à se câliner. Mais non! Ah, bah, attendez, moi ouais, je veux voir ça. Hein. Non, 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 non. Non, 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 je n'y crois pas. Et je peux pas rentrer dans la maison? Allez! Ah, ça y est, ils ont fermé la porte, c'est privé. Mais non! Non! Les Sims! Les Sims! Ah, 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 ah. C'est pas vrai, je peux rentrer. Oui. Est-ce qu'elle va, elle va vouloir se faire câliner? Attendez. Ah! Freshum. Oh, c'est trop mignon. Par contre, ils sont. Lui, il a l'air, il a pas l'air bien, il a pas l'air au top. Hein. Oh, c'est trop mignon. Embrasser passionnément. Embrasser tout court. Je suis prête là. Une belle histoire d'amour. Ah! Ils ont fait un bisou. Embrasser passionnément. Oh, désolé, du coup, je laisse un peu tomber la mission. Hein. Oh, c'est une chaudasse, hein. C'est des chaudasses, liaison. Merde, y a un mec qui passe. Ok. Il y a le petit cœur qui est apparu. Bon, hein. Au secours, je suis mal à l'aise. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Il faut que je l'aiguise mon épée, hein, et pas mon zizi, hein. C'est... Oh, finalement, je suis toute retournée, dis donc, ils ont fait des bisous et tout va bien. Bon, bref. Il doit aiguiser l'épée, il doit les chasser. Mais avant tout, on va aller... Ah, oh mon dieu. On va aller ici. Allez. La reine. Putain, c'était là depuis le départ. Voilà. Ouh, les frais étant payés, je devrais pouvoir aller voir Anaclet, le conseiller royal, pour obtenir une grâce officielle. Voilà. Enfin!
Enfin! La caution semble totalement payée. Cependant, je n'ai pas la moindre idée de la raison pour laquelle vous voulez dépenser autant d'argent pour libérer une vagabonde errante. C'est pas une vagabonde, c'est le moine. Quelles que soient vos raisons, vous avez gagné cette grâce royale. Allez voir Ada Salinte la Bourrelle pour le lui donner. Nous allons voir donc Ada Salinte. Ah, je suis tout et Aegon et Charleris, ils ont bisouté, hein. Attention. Des ordres officiels de libérer quelqu'un? Bon, je ne me permettrai pas de contester la châtelaine Charleris la Grande. Donnez-moi cette grâce et le connétable arrivera bientôt pour ouvrir le pilori. Obtenir des... Oui. Ah, c'est cool! Mon pauvre, je suis désolée. Il sort, il sculpte lui, d'accord. Alors, vas-y, demande au moine avec sa super coupe de cheveux. Merci pour tout, Aegon. Quand je suis entrée à Shabit, une personne mystérieuse m'a volé, même si je ne possédais rien. Maintenant qu'il t'a pas volé, enfin... Ou presque. À l'arrivée du connétable, cette personne a dit que j'étais coupable et a disparu dans la foule. Avant que je ne puisse réagir, on m'a emmené au pilori. Pour vous récompenser de vos services, j'aurais aimé vous donner une vieille carte qui m'a été très utile, mais cette brute est partie avec vers le cimetière. Si vous arrivez à la récupérer, elle pourrait vous apporter les réponses que vous cherchez. Ok, direction le cimetière. Affronter Or. Mais on va aussi aiguiser son épée, je ne sais pas où, donc on va chasser dans la forêt. On va chasser dans la forêt avant qu'on se fasse manger par nos responsabilités. Elle est où? Putain, la forêt. Je suis perdue. Non, là, le château est là, la forêt est ici. Hop. Vas-y, Aegon, on te suit. T'es pas à la forêt là, comme corneau. Attendez, je sais plus moi. Elle est où cette forêt? Oh non, c'est là la forêt. Chasser. Voilà, allez. Go. À l'aide, je me fais agresser. C'est une blague. Mais. What? Chevalier. Bon, il est mort? Non, bah c'est bon. Vas-y, on s'en fout. Ah non, dans la même journée, on se tape la reine et après, on se fait niquer par un... On se fait agresser par une petite racaille. Vénévénère. Chasseur à la forêt. Alors que Sir Aegon s'est arrêté pour manger un morceau dans une clairière dégagée, une biche effrayée sortit des bois, fonçant dans sa direction. Réagissant immédiatement, il a brandi son épée et abattit la pauvre biche au moment où celle-ci passait près de lui. Oh, pauvre bête! Mais non! Aegon expédia dans l'autre monde un daim qu'il avait traqué dans la forêt après avoir rapidement... Et proprement vider l'animal. Mais c'est dégueulasse, il rentrera trois morceaux de venaison de premier choix. Mais non, mais c'est dégueulasse, moi je veux pas qu'il tue les bestiaux, quoi. Premier baiser. Oh, le premier baiser d'un cygne peut le rendre extatique pendant un long moment. Ouhouhouhou. Premier amour. Oh, c'est la première fois que Sissi me rencontre l'amour, est-ce vraiment pour debout? Oh, c'est trop chou, victorieux. Mais c'est parfait, alors il est concentré. Chasser dans la forêt. Normalement c'est bon, hein. Ça c'est fait. Ça, c'est fait. Il faut aiguiser son épée. Mais on va affronter. Aujourd'hui, on est... On y va, on affronte tout le monde, on se bat, on se... Oui. En quoi cela vous regarde? J'ai peut-être allégé la bourse de cette personne, ou pas. Dans tous les cas, je n'ai aucune intention de vous accorder quoi que ce soit, juste parce que vous le demandez. Pas sans contrepartie. Qu'est-ce que je vais faire? Comment obtiendra Sir Aegon la carte volée? Utilisez la force pour prendre la carte.
Il est en bon état, hein, il est plutôt très très bien. Utiliser de l'argent pour acheter la carte. Et au niveau thune, oh non, je vais utiliser la force. Se bagarrer, allez. Fourbe brute, vous avez peut-être gagné cette fois, mais vous n'y gagnez pas grand-chose. Le seul objet que je possédais était cette carte incompréhensible, et maintenant, elle est à vous. Profitez bien de ce que vous avez gagné malhonnêtement, Aegon. Oh, dis, je l'ai gagné à la loyale, hein? Non, mais dis. Je suis retournée à la forêt. Selon la carte, la fontaine devait être cachée dans les collines derrière la forêt. Cherchez la fontaine de légende. Allez, on est reparti pour un tour. Il reste 1 heure, c'est pas grave, il aura pas aiguisé son épée. Ouh, par contre, il s'est pris un punch dans la tronche. La voûte épaisse de la forêt bloquait les rayons du soleil, et Sir Aegon errait dans les méandres de l'obscurité. Il trouva le plus grand arbre et entreprit d'y grimper pour atteindre le sommet au-dessus de la mer de verdure et y ressentir la caresse du soleil. Le son d'un petit ruisseau résonnait à l'ouest, alors qu'au nord, l'épaisse forêt s'éclaircissait, laissant place aux contreforts de majestueuses montagnes. Suivre le ruisseau. Ruisseau. Sir Aegon voulait voir la source du ruisseau et se tourna en direction du son de l'eau. Aller en direction des collines. Sir Aegon voyagerait vers le nord en direction des collines. J'allais dire le ruisseau, mais en fait, je vais prendre les collines. Alors, la forêt sombre débouchait sur une clairière bordée d'arbres centenaires. Je crois qu'on l'a trouvée. Elle est trop belle. Elle est vachement belle. Attendez. Ah, on peut pas prendre de photos. Zut. Alors, bordée d'arbres centenaires. Au centre, posée sur l'herbe tapissée de fleurs sauvages, se dressait une vieille fontaine. On pouvait entendre le clapotis de son eau claire. Une voix éthérée et familière résonna à travers le pré. Sir Aegon resta bouche bée. Si vous avez réussi la première épreuve, vous m'avez trouvé, Aegon. Cependant, c'est une tâche que toute personne munie d'une carte et d'un peu de détermination peut accomplir. Avant que vous puissiez vous refaire... What? Vous devez continuer à tester votre dévouement. Je dois continuer à tester votre dévouement et vos besoins. Prenez un peu d'extrait de mon essence avec vous et allez la mélanger à l'eau de Chabit pour découvrir quelle sera votre prochaine épreuve. Très bien! Se dirigeant vers les sommets au loin, Sir Aegon voit subitement la forêt et se trouva au pied d'un chemin rocailleux qui montait vers les contreforts. Au-dessus de lui, de gros nuages noirs menaçants commençaient à s'accumuler. L'orage n'allait pas tarder à éclater. En regardant vers la forêt, Sir Aegon vit au cœur de celle-ci une lumière dorée scintiller. Plein d'espoir, Sir Aegon se dirigea sans hésitation vers la source de cette étrange lumière. Sérénité, crudium et graminée. Ok. Donc, a perdu un combat à main nue? Bah. Elle a reçu un coup de poing. Oh, choupette! Choupette, t'as beau... Work. T'avais pas un baume anti-bobo, toi? C'est quoi ça? C'est crudium. Elle est graminée. Gourde d'eau de la fontaine. Impossible de vendre. Eh ben, là, tu m'étonnes. Du chevreuil. Ok. Très bien. Il reste 21 minutes pour aiguiser l'épée. On va être tendu, hein. Ça va être tendu. Tu peux retourner à la maison rapidement. Mais non, parce que ça sert à rien. Le temps qu'il finisse ça. Voilà, il aura manqué. On va aller à cet endroit. Je sais pas où, mais ils nous le disent, donc on va y aller. Encore! Mais c'est bon! Dire au revoir. On me menace. Mais c'est quoi ce mec? Provoquant un duel à la mort, allez. Et voilà, il est mort. Allez, comme ça il me fracassera plus les pieds. Faut que j'aille à la fontaine. Allez à cet endroit. Allez, go. Ça aurait été vraiment une puiser de l'eau. C'est ça, hein? Et faire un vœu, infuser. Non, donc non, c'est pas puiser. Alors, parce que moi je vois le vert, je clique dessus. Infuser avec l'eau de la fontaine légendaire. Faire une sélection. Bah oui. J'en ai pas qu'un 15 000. Oh là, c'est quoi ce bruit? Et là, bien sûr, t'as quelqu'un. Ah, c'est son escuyer! C'est son escuyer. Escuyer, écuyer! Vas-y, tu peux discuter avec, faire connaissance, parce qu'il faut que tu sois dans. Se renseigner sur la santé. L'essence de la fontaine est infusée dans l'eau de Chabit. Comment dois-je communier avec elle pour ma prochaine épreuve?
Je pourrais simplement crier dans le puits d'ici pour reconnaître la prochaine épreuve. Ouais. Georges est richissime. Un écuyer. Remarque, c'est vrai que les écuyers, en général... bagarre, discuter, badiner. Non, non, mais... T'as déjà quelqu'un dans ta vie, Aegon. Allez, écoutez l'écho. Or, la douteuse. Mais tu l'as fait ou quoi? Écoutez l'écho. Ah, mais non, c'est ça, je suis con. Oh là là. Allez, vas-y, crie. D'abord faible, la voix éthérée de la fontaine résonna profondément dans le puits désormais étincelant pour annoncer à Sir Aegon sa prochaine épreuve, celle de la dévotion. « Je suis entièrement dévoué !» Vous avez prouvé votre détermination désormais. Votre volonté de changer doit être démontrée. Sacrifiez ce à quoi vous tenez le plus en faisant une offrande à ce puits et vous vous rapprocherez encore de la perfection. Merde. Oui, il a la dalle en plus. Hein. Il a la dalle, c'est un peu la nuit. On va rentrer se coucher de ouf parce que là, ça va plus. Alors, mon petit... Tu vas manger. Faire à manger. Une soupe de venaison. Allez. Et après, tu vas t'endormir. Voilà. Et il est de nouveau frais comme un gardon. Au niveau de la faim, ça passe. Donc on va pas le faire bouffer. Abandonner ce à quoi je tiens le plus. Pas mes potions de charme d'urgence. Il n'y a qu'elles qui me rendent sympathique. Oh, mais non! Où en trouverais-je assez? Au magasin de village, auprès de ce vendeur suspect. Acquérir deux élixirs de charme pour l'offrande. Oh, qu'il en avait déjà une, il me semble. Bah, moi, j'aurais dit qu'il aille sacrifier Shirley Rhys, qui est sa nouvelle amoureuse. Mais non. Allez, on est parti! Mon kiki! Wouh! Je suis partie où? Je sais pas où je suis partie, mais je suis partie. Alors, élixir. Léger fortifiant curatif. Élixir de charme. Hop! On va en mettre deux. Acheter produit. C'est bon, hein, on a... Est-ce qu'on peut vendre des trucs, du coup? Un chevreuil, c'est 40. Crodium, super, un simflouze, quoi. C'est pas intéressant. Mais... Ils sont où? Ah, c'est... J'ai l'offrande demandée, je dois juste la jeter au fond du puits. Le puits. Je ne vois pas où est le puits. Je suis perdu, il est là. Ta 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 ta. Faire une offrande à la fontaine. Pas à Jean, n'est-ce pas? Mais quand même. Sir Aegon lâcha l'offrande dans le puits. Un soudain éclat de lumière dorée illumina momentanément les sombres profondeurs humides. Votre offrande est acceptable. Votre prochaine épreuve est cruciale. Revenez me voir avec la preuve que vous avez un point faible et vous vous rapprocherez encore de la perfection. Oui, d'accord. À bout de nerfs, c'est un peu comme un train sur le point de dérailler, sauf que là, c'est un Sims médiéval qui déraille, car il n'y avait pas de train à l'époque. D'accord, merci les Sims. Être isolé avant de retourner à la fontaine. Je me sens toujours seule, surtout quand je n'ai pas parlé à quelqu'un depuis longtemps ou quand je fais le ménage chez moi sans personne pour m'aider. D'accord. Après, il est tellement encore dans son amour que... Ouais. Alors, nourrir la bête et s'entraîner à la stratégie militaire avec quelqu'un pendant 30 minutes. Bon, ben, ça va pas aider pour s'il doit être isolé, hein. Après, il est à côté de la bête, hein, donc on va aller donner à bouffer à la bête. Si j'y arrive. Oh, c'est chiant. Tiens, on va nourrir la bête.
Ça c'est fait. C'est sympa le moine là, maintenant il donne des... Il donne des trucs là, non? Absalin, ta bourrelle. Guilhem le chapelier. Ça c'est fait, s'entraîner, on va retourner... on va aller à la salle du trône. Voilà, on va aller ici. Avec Châtelaine. Allez. Oh, venez, ma douce. Hier, on s'est fait des bisous. On s'est bien roulé des belles galoches à la maison. C'est bon, ça c'est fait. On va rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Hein, ça va faire à manger. Une soupe de turbo. Tu, la... bah, tu peux la manger, hein. Franchement. Tu vas faire le lit. Qu'est-ce que tu veux faire le ménage? Je sais pas, moi. On va peut-être lui acheter un truc, là, pour aiguiser. Un truc pour aiguiser. Vieux Grigou, machin. Surface, confort, éclairage, décor, structurel, rangement, tout. Structurel. Je sais même pas sur quoi je dois pour son aiguiser là, je sais pas quoi. C'est joli. Artisanal, élégant, magique, divers, rustique, noble. Pour trouver le machin pour aiguiser, je sais même pas comment il fait pour aiguiser d'ailleurs. Rustique. Je vais checker un peu et puis si je trouve, ce sera bien. Mais si je trouve pas, bah tant pis. Bah, j'ai pas trouvé. C'est quoi ça? Bat de nouvelles recrues. Ah bah oui, il a fait du Royal Ball, c'est vrai. Tiens, tu vas parcourir la bibliothèque. On va ranger ton fameux bouquin, là. Non. Tac. Tac. Comment on fait? On peut pas! Ah, super! Si tu vas lire un peu... Tu vas lire un peu, tu vas relire et tu vas relire. Et voilà, ça... Qui c'est qui parle? Qui s'amuse? On sait pas. Tu vas relire ça aussi. Tant qu'à faire. Parce que la dernière fois, ça avait bien marché, il était isolé parce qu'il avait lu plein de bouquins. Mais là, il a nourri la bête, il est juste hyper bien. C'est quoi qu'il faut se sentir? Être isolé? D'accord. Ok. Là, tu... Faire le ménage chez lui, mais... Il peut pas... Vas-y, tu vas te réchauffer les mains. Tu vas parcourir la bibliothèque. Ça. Oh, je suis peut-être nawak, mais je m'en fiche. Tu vas lire ça. Qui passe chez moi? Bon, il y a plusieurs trucs qui vont partir de ces... C'est décoré, d'accord. Il a terminé un livre, il est content. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Mais j'avais pas vu qu'il y avait un étage, moi! Oh putain! Mais nawak! J'avais jamais capté! Faire un combat d'entraînement tout seul. Non, tout seul! Faut pas que tu sois avec un mec! Non, bah tu descends.
Vas-y, va te coucher. Allez. J'aimerais bien finir la mission, mais je crois qu'elle est hyper longue, donc je suis pas sûre. Donc, je pense que je vais arrêter là pour cet épisode qui sera déjà bien long. Et désolé pour les bugs et le fait que j'aille un peu tricher, mais bon, sinon on n'avancerait jamais. Et j'y serai encore en train de dire, mais s'il faut que je paye comment? Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu quand même. Je vous donne rendez-vous du coup pour la semaine prochaine pour la suite de l'aventure d'Aegon. Est-ce qu'il va finalement se sentir isolé à un moment donné ou pas? On ne sait pas. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à la prochaine pour le Sims médiéval ou autre chose. Allez, salut!